Bonjour les loups, mais oui, je suis revenu. Bon, j'ai la casquette parce que vous avez rigolé, ma femme a coupé les cheveux, mais. Ara, en plus j'étais malade, on était malade. Attendez, je vais baisser ma musique d'ambiance qui est derrière et je vous reprends. Pas trop fort, j'aime bien avoir une musique d'ambiance derrière. Hein. Bon, c'est pas du jazz, c'est un peu, je sais pas, il y a un peu de tout. Donc, je reviens vous voir, mes loulous et mes grincheux. Hein. Donc, on était malade, moi et ma femme, une belle gastro. Bon, ma femme est toujours pas à patraque. Bon, voilà, alors, c'est moi qui fais le médecin. Hein. Faut bien aider. Donc, je vais vous expliquer, j'ai la casquette parce que les cheveux, ara. Eh oui, ara. Voilà. Bon, moi, ça va un peu mieux. Mais enfin voilà, c'est comme ça, les gastro, il y en a chaque année, on se chope des gastro. Ouais. Bon, voilà, mais oui, je suis revenu. Alors, je ne sais pas ce que je vais vous montrer ce matin, de quoi on va parler. Mais on va parler peut-être d'une. On va faire une petite démonstration de. Je vais vous présenter. Parce que là, je vais. Disons que là, je vais vous montrer une distribution Linux, parce que bon, apparemment, Linux. Vous savez que Windows 7 ça s'est arrêté hier. Donc j'ai lu sur des blogs qu'il y avait des gens qui croyaient que à cause de Windows 7, là, enfin, elle sera plus mise à jour et tout. Ils ont arrêté Windows, arrêté Microsoft, arrêté Windows 7. Donc il y a des gens, j'ai vu sur des blogs, il y a des gens qui vont dire oui, mais alors Linux va monter, ça va faire un bond incroyable. Non, pas forcé. Pas forcé, pas forcé. C'est pas pour ça que Linux va gagner en force. Vous savez que en pourcentage, Windows est à 40 et quelques. Windows 10, Windows 7 et Windows 10 étaient à peu près la même chose. Et là, Windows 7, bon, maintenant c'est fini, il y a plus de mise à jour. Donc Windows 7, je vais essayer mon truc, mais c'est un peu trop fort. Je vais m'entendre parler aussi. J'ai un truc là. Voilà, alors Windows 7 était à peu près en pourcentage, à peu près comme Windows 10. Bon, Linux est très bas, hein, ils sont à 1,7, entre 1,7 et 2, 2% je crois de gens qui ont du Linux. Alors, vu que Windows 7 est arrêté, enfin. Windows 7 continue, mais il y a un abonnement, quoi. Il faut payer. Il faut payer pour avoir les mises à jour et tout. Il faut payer, c'est plus intéressant, quoi. Voilà, Windows 7, il est toujours à certaines entreprises, mais il faut qu'ils payent quelque chose pour avoir les mises à jour et tout le truc, quoi. C'est pas. Bon, enfin, de toute façon, c'est fini. Pour les gens basiques et les gens. Ben, les gens qui n'ont pas de. Comme moi et comme d'autres, quoi, bon, mais Windows 16 est terminé, quoi, parce que ça sera merdier, quoi, c'est comme XP. XP, il y a des gens qui ont gardé XP un petit moment après, mais ils ont eu que des merdes, quoi. Donc, alors, il y en a, ils se sont dit, ben, Windows 7 s'arrête, donc, en fait, ça va être une bouffée pour Linux. Non, non, pas forcé, pas forcé. Voilà. Depuis que j'ai Windows 10, moi, sur mon gros portable, alors j'avais hésité, Linux Mint. Bon, là je garde sur le petit où je fais mes vidéos Linux Mint Cinnamon au PC de mon épouse. Et le reste, tous mes autres écrans, j'en ai deux là, celui-là et puis l'autre hein, dans la chambre, celui-là il reste sur Windows 10. Et j'ai jamais eu le problème. L'autre c'est Windows 10 32 bits et celui-là 64 bits. Je n'ai jamais eu de bug. Ah, mais si, il faut mettre des outils, hein. J'ai des outils, moi, c'est clair. Si vous ne mettez pas des. Moi, j'ai ce que j'ai Glary Util. C'est un truc qui. Sur Windows 10, Glary Util, c'est comme un couteau suisse, quoi. Ça vous nettoie et tout. J'ai quoi comme outil? J'ai CCleaner. Glary Util, il ne faut pas mettre une 200, quoi. J'ai antivirus de Windows, qui s'appelle Security Windows. J'ai Mamerbit. Un logiciel très très important pour enlever les merdes. J'ai Super Anti-Spy, alors ça c'est pas mal. Et le top c'est AnCleaner. Voilà. Et avec ça, ben, vous êtes tranquille. Moi je suis pas merdé. Hein, depuis 3 mois j'ai Windows 10 sur mon gros PC là que je travaille. Bon, je me fais vidéo. Hein, donc je suis pas merdé quoi.
Ah, j'ai mis à jour. Ah, ça m'est mis à jour. Donc voilà, alors c'est pas forcé que Windows, que Linux va monter. De toute façon, mais Linux, je pense, il y a trop de distributions. Je pense que eux, ils vont peut-être se casser la gueule. Vous voyez, je dis franchement. Peut-être. Bon, tout le monde a dit ça depuis 10 ans. Mais à 10 ans, il y avait XP, et puis après Windows 7 est venu. 8.1. Bon, ça marche pas très bien. Ils sont 8 ou 9, 10% dans le monde entier. Hein. Windows 10 est vraiment bien coté. Hein. Ils sont pas mal. Windows 10 c'est pas mal. Hein. Voilà. Alors, Linux, bon, ben, un jour, tellement qu'il y en a trop, il y en a qui sont complètement débiles, les distributions. Il y en a, ils sont... moi, je trouve qu'il y en a trop 4. Si au moins il y en avait 3 ou 4 de bonnes, ça serait déjà pas mal. Hein. Enfin, moi, c'est le problème. Là, je travaille tout le temps en permanence. Là, je suis sur Windows 10. En permanence, du matin au soir, bon, quand j'étais malade, c'est pas la peine. En permanence, sur Windows 10, c'est jamais eu de problème. C'est pas eu de bug. Alors, c'est bizarre, ce Linux Mint, ma femme, elle a eu 2 ou 3 bordels. Je ne sais pas d'où ça vient. Je ne sais pas d'où ça vient, on a eu des virus, je ne sais pas, on sait rien, bon bref. Eh bien, je me suis mis, pour les enlever, impossible. Hein. Alors je me suis mis, j'ai téléchargé Win. Hein. Win, c'est un truc qui vous pouvez... C'est, Win sert pour télécharger des logiciels, pour vous mettre sur... pour avoir des logiciels Windows, pas tous. Donc avec Speedbot et des logiciels assez importants, j'ai pu enlever ces merdes. Vous voyez que les virus arrivent aussi... Les virus arrivent aussi sur Linux. Hein. Vous n'êtes pas un jour ou l'autre, vous allez être à la merde, quoi. C'est sûr. Hein. Alors bon, vaut mieux être Windows 10, comme ça vous avez les outils qui protègent tout. Bon, bien sûr, il y aura moins de merde sur Linux que Windows 10 s'il y a des virus. Ça c'est clair. Voilà. Bon, alors je vais vous montrer la mise à jour parce que j'ai des mises à jour. Alors tant qu'on y est, hein, les loulous, on va mettre une mise à jour. Alors les mises à jour, mais moi j'ai mis mon logo là. Hein. Voilà. Alors, apparemment, j'ai 5 mises à jour hein, ce matin. Bon, j'ai prouvé depuis 3 jours parce que j'ai déjà une sacrée gastro. Hein. Bon, il faut bien attraper du mal. Hein. Quand on l'a une fois, c'est bon. Hein. Bon, la grippe, non, parce que la grippe, bon, je me vaccine tous les ans, hein, mes loulous. Bon, alors, j'en ai 5. 5 mises à jour. Bon, alors, on va faire une mise à jour. Voilà. Donc, à Windows 10, je sais pas, moi, il y en a qui n'aiment pas, mais écoutez, moi, vous savez, les gens qui étaient sur Windows 7, ils vont pas aller, n'ayez pas peur, ils n'iront pas sur Linux. Hein. Peut-être un peu, quelques-uns, comme ça, de bouche à oreille, mais je vous jure qu'ils n'iront pas, ils iront voir, les techniciens, tout ça. Ou alors, il y a 2-3 solutions. Allez voir la vidéo d'Adrien, il a fait l'explication très bien hier. Très très bien hier, il a fait l'explication, le pourquoi, le voilà, allez le voir, moi je ne vous en dis pas plus, allez le voir, allez voir sa vidéo d'hier, il a expliqué en gros, il a expliqué que les gens qui auraient plus Windows 7 n'iraient pas forcément sur Linux, voilà, un grand nombre iraient sur Windows 10, enfin, voilà, pour eux, ils n'iront pas sur Linux parce que c'est... Ou changer carrément de... Ça va être... enfin, il y en a quelques-uns, peut-être. Mais bon, moi je pense pas que ça fera un boom, un booster pour booster Linux. Non, je crois pas. Moi, je crois pas. Linux, peut-être qu'un jour, s'éteindra un petit feu. Quand il y a autant de machines qui déconnent, et puis ils verront bien un jour que c'est le merdier. Vous savez, les gens... Vous savez, on peut pas être chez les gens. Les gens, ils préfèrent être tranquilles, hein. Ils préfèrent avoir leur distribution tranquille, les chercher à droite et à gauche, comme Linux, c'est vrai, il faut chercher, il faut bordel, que Windows, bon, il faut prendre pas n'importe quoi. Hein. Moi, j'ai pour les anti-spash et tout le bordel, les anti-cheveux de 3, j'ai 3, 4, 1, 2, allez, 3, j'ai 3 maximum antivirus, hein. j'ai anti-spasme, anti-cheveux de 3, chevaux de 3, Plus l'antivirus de Windows, hein. C'est tout. Hein. Cyclinaire, voilà, il nettoie. Glary Util est très bien. Et moi, ça me suffit. Hein. Ah, ça y est, c'était fait. Mise à jour a été faite. Moi, j'ai pas. Ça a été annulé. Pourquoi c'était. Il faut que je revienne. Ça a été fait. Et mise à jour a été faite. Donc, Windows 7, c'était un très bon.
très bonne distribution chez Windows, hein. Ça marche très bien. Hein. Comme XP, quoi. XP, il y a des gens qui ont fait, bon, ça marche plus, maintenant XP, c'est... Bon, il y en a qui s'amusent à remettre, mais bon, ça ne tient pas... vous pouvez rien faire, quoi. Alors, Windows 7 va continuer, mais les mecs qui veulent garder Windows 7, ils paieront un truc, un abonnement, quoi. Voilà, pour avoir les mises à jour. C'est ça. La Windows 8, depuis que je l'ai, Windows 8, j'ai eu quoi ? Une mise à jour, j'ai installé depuis 3 mois. Une mise à jour, bon, avec le coup qu'il y a eu une mise à jour cet été, là, je pense. Et puis, terminé, quoi. Je suis tranquille, moi, je ne me fais pas, tu sais, je ne fais pas de vidéo parce que c'est un PC, j'ai pas de caméra extérieure. Je m'en tape, moi, je m'en mets sur le petit ordinateur, puis voilà, quoi. Voilà, c'est bon. Bon, qu'est-ce qu'on va faire ce matin ? Allez, bougez pas, je vais éteindre là. Voilà. Non, vous avez vu que sur mon site, j'ai mis quelques vidéos de famille, c'est les cousins qui étaient en Belgique, ils ont filmé. Donc, une vidéo que mon gendre m'a donnée au sujet de la chasse, en dernière. Mais les trois vidéos que j'ai mis hier, c'était de famille. Parce que les Super 8, il y a un appareil qu'on peut, dans le commerce, pas personnel, vous êtes les grands, il y a des sociétés qui avaient les anciens Super 8, les caméras, tout ça, les bobines, enfin, ils peuvent vous transformer sur une clé USB des films en Super 8. Donc, vous avez vu un peu les fêtes foraines en Belgique, c'était en Belgique, j'avais la famille, le côté de ma mère, mes cousins, cousin germain en Belgique, voilà, en vert et puis le reste, quoi. Voilà, j'ai mis ça, j'avais ça, mais j'en ai d'autres, mais ça, je ferai ça plus tard, je ne veux pas tout mettre, hein. Quand je n'aurai marre de faire des vidéos, j'arrêterai, là, j'ai envie, alors bon, de reprendre, voilà, si vous ne voyez plus, c'est que c'est pas grave, c'est que JP, il n'est pas mort, hein, il n'a pas peur, là, j'étais arrêté, là. Gastro, voilà, c'est pas parce que j'ai un cancer que je prends, j'ai cheveux courts, très courts, hein, parce que moi, j'ai les coiffeurs, vous savez, je fais des économies, hein. C'est ma femme qui me coupe les cheveux. Voilà, très bien. Bon, alors, là, je mets ma musique d'ambiance. Ah, j'ai plusieurs musiques d'ambiance, ouais. Jazz, rock, ouais, j'aime bien avoir une musique derrière moi. Bon, alors, on y va. Qu'est-ce que je vous... Alors, on va ouvrir le... Ah, ce sacré distro-test, ça marche une fois sur deux. Ce merdier marche une fois sur deux. Alors, je crois que je vais faire de temps en temps comme ça, mais je ne vais pas le faire tous les jours, hein. Qu'est-ce que je vais m'amuser ce matin ? Un petit joujou ce matin, alors on va faire, je sais pas, voilà. Il y a des noms un peu bizarres, c'est ça Linux, c'est ça, quoi. Il y en a trop, quoi. C'est ce merdier, quoi. Un jour, ça va s'arrêter, ce merdier. Bon, je n'écrirai pas victoire, hein. Ça m'a bien dépanné, hein. Alors, je me tue, bah, je l'ai fait, ça, je pense. Voyager. Ah, Voyager, ça, c'est vraiment compliqué, quoi. C'est bien, mais bon, c'est... Ah, le doc. Non, je ne suis pas doc, moi. Bon, on va prendre lequel. 1904. Ouais, pourquoi pas. On va prendre celui-là, tiens. On va prendre celui-là. Ouais, mais oui, c'est comme ça. Alors voilà, quoi. Windows 7, c'est terminé. C'était une belle distribution de Microsoft, Windows. Windows 7, oui, en pro, c'est vrai que ça marchait très bien, quoi. Il n'y a pas de problème, hein. Démarrage de système. Alors, démarrage de système. Voilà. Aïe. On va changer. Qu'est-ce qu'on va mettre ? On va mettre ça peut-être ? Ah, années 80. Alors, années 80. Voilà, musique d'ambiance derrière. Je ne sais pas si vous entendez. Ah, c'est pas assez fort. Là, c'est plus fort, hein. Bon, alors là, on va mettre, c'est un peu fort, je vais baisser un peu. On va taper ici. On va vous montrer comment marche à ceux qui veulent mettre ce sacré voyageur. Si ça marche pas, eh bien, tant pis, hein. Tant pis, hein. Et des distro-tests, un coup ça marche, un coup ça marche pas. Après, on fera les informations et puis voilà, quoi. Donc, Windows 7, adieu. Et je vous montrais aussi, aujourd'hui, Microsoft a sorti, a supprimé Edge et Internet Explorer 11, navigateur, pour mettre Edge, le nouveau Edge Chromium.
C'est le nouveau Edge Chromium sur Windows 10. Apparemment, il est bien. Enfin, il est bien. Il faudra que je l'essaye sur mon PC, là. Mon gros PC, HP, qui est à côté de moi, parce que j'ai un HP ici. Là, j'ai ça. Là-bas, j'ai mon petit ordinateur de réserve, en cas c'est une couille, à celui-là pour remplacer celui-là. J'ai trois PC, et le quatrième étant mon Jean en train de me le réparer. Et donc, trois PC ici, et mon Jean en train de me... Bon, il est technicien, lui. Enfin, technicien, il connaît mieux que moi l'informatique. Il faut qu'il me mette de la RAM. Voilà. C'est un papy qui m'a donné l'ordinateur. Soit je veux le garder, et il ne veut plus. Il veut s'en séparer. Alors, moi, je l'ai pris. Hein. C'était un petit Toshiba, voilà, qui est assez vieux. Mais enfin, je ferai des essais dessus. Ça va me permettre d'alléger cela. Voilà. Alors, mes choutillés, mais on ne dirait pas. Hein. Enfin, bon. Bon, mais sûr, il y en a qui sont beaucoup plus outillés. Ça, c'est... Vous savez, il y avait le pognon, on peut tout faire. Quoi. Bon, alors, il s'ouvre. Il ne s'ouvre pas, ben on arrête. Pas tant midi 14. Ah, voilà, la flèche arrive. Enfin, la flèche. Le pointeur. Alors, aujourd'hui, ici à Pessac, eh bien, aujourd'hui, à l'extérieur, 10,8. Bon, il fait beau, hein. Pour l'instant, il fait beau. C'est pas quand même le grand hiver. Hein. 63% d'humidité. Ouais, 63% d'humidité. Bon. On va chercher. Alors, qu'est-ce que c'est ça présente, cette gueule de Voyager? Ah, voilà Voyager. Bon. Alors, on y va. On va fermer ça peut-être. On va voir si on ferme. Voilà, Voyager. Alors, où j'en suis là? Je regarde mes minutes, moi. Hop. Non, c'est pas ça. Ah bon, donc il ne bougeait pas. Ouais, ça tourne. Bon. Alors, installer Voyager. Installer. Bon, il se souvient de 04 le 15 janvier. Ouais, c'était il y a un an, ça. C'était pas cette année. Bon, on va installer. Hein. Open. Ok, on fait comme ça. On va voir. Patiente. 15 janvier. Ah oui, c'est aujourd'hui. 15 janvier. 9h56, c'est sûr. 9h56, oui, toujours en retard, d'une heure. Moi, là, j'ai 10h56 en bas. Oui, c'est la belle gueule, on y arrive déjà. Mauvaise gueule, c'est bizarre, les icônes. Hein. Bon, mais c'est vrai, c'est du large, c'est large, quoi. Je suis pété du Firefox, que j'aime pas moi. Enfin, chacun ses goûts, quoi. Les goûts et les couleurs. Hein. Okay. Alors, on va mettre français. Alors, on va voir ça. Et continuer. Alors, on va continuer. Alors, ceux qui veulent le mettre, ceux qui veulent l'installer. À ce putain de voyageur, mais écoutez, excusez-moi, je vous le mettez. Hein. Non, je rigole. Bon. Ouais, là. Mais qu'est-ce qu'il a? Il faut que je reprenne des forces. Bon, vraiment, ça va mieux. Non, mais ça, une gastro, ça vous fait un plat, quoi. Mais non, d'accord, ok, bon, allez, on va quitter. Là, ça va fait plus loin. Bon, on va montrer ce qu'il y a, quitter. On va quitter. Alors là, on va voir qui c'est Firefox. 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 Là, vous avez calendrier, mais il ne s'ouvre pas. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? On va aller là. Là. Vous voyez pas, c'est le merdier. Bon. Je vais pas faire le bêtisier comme Marc. Bon. Enfin, bref, c'est pas grave. Alors, c'est bloqué. Bon, allez.
Ça, c'est le merdier. Alors, bon, on va arrêter carrément. C'est le merdier. Je ne voudrais pas mettre ce merdier. Eh bien, on fait autre chose à la place. Parce que c'est vrai. Tu vois, vous voyez, deuxième bêtisier aujourd'hui. Après Marc, mais c'est moi. Moi, si on s'en fout. Alors, on va faire les informations. C'est ça, beaucoup mieux. Et ça, on va mettre à la poubelle. Hein. Ça marche comme. Là. Si vous mettez. Ça marche sur Mutu, Linux Mint et le reste. Linux Mint, excusez-moi, et le reste, ça ne marche pas. Alors, on va taper Edge. Aujourd'hui, c'est le nouveau, une information. Edge Chromium. Edge Chromium. Voilà. Alors, Microsoft déploie Edge Chromium à compter de demain. Ah bon, c'est demain. Alors, c'est pas aujourd'hui. C'est demain. Ah bon, alors, ils ont eu. Alors, Chromium Edge remplacera le navigateur Microsoft Edge dès mercredi. Ça, c'est ceux qui sont sur Windows. Hein. Voilà. 15 janvier, demain, mercredi. Mais on est mercredi aujourd'hui. Eh bien, c'est aujourd'hui, alors. Hein. Oui, je crois que c'était. La page n'était pas. La page n'était pas. C'était il y a un jour. D'accord, 22h. Ah, d'accord, voilà, c'est celle-ci, quoi. Il y a 22h, celle-ci. C'est d'hier, ça. Voilà, le 15 janvier. Microsoft dira adieu à Sony Edge et qui n'a jamais convaincu l'utilisateur. À la place, les utilisateurs de Windows vont apparaître Chromium Edge. Voilà, moteur que Chrome et Opera, la mise à jour est automatique. La mise à jour sera automatique. Hein. Alors, Edge, si vous me voyez, si vous allez voir mes vidéos, Edge, Chromium, c'est pour ceux qui ont Windows 10. Hein. Voilà, hein. Voilà, et ça remplacera l'ancien Edge. Bon, moi, je n'ai jamais pris Edge, j'ai toujours pris Google Chrome. Donc, voilà, alors, elle va être mise à jour automatiquement. Elles sont mises à jour automatiquement, mais ça, c'est normal. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Edge. Il est pas mal, joli le logo. Ouais, le logo est joli. Je trouve du bleu, un peu de vert, là. Oui, c'est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on va montrer aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va vous faire voir, montrer? La carte des stations-service. Je pense que la grève est bientôt finie. Ben, c'est comme ça d'ailleurs. Ouais, ben, c'est toujours la même chose. Hein. Bon, il n'y a pas beaucoup de. Ouais, manque d'essence un peu partout. Mais enfin, bon, c'est pas. Bon, c'est pas. Rupture de stock. Il n'y a pas. Nous, chez nous, ici, il n'y a pas. Non, ça, il y a encore des. C'est pas trop. Heureusement, quoi. Parce que les mecs peuvent travailler, bonjour, quoi. C'est pas. Ceux qui sont en retrait, qui ne bougent pas beaucoup, ça, comme moi, ça va, quoi. Mais. C'est sûr. Alors, Éphéméride. Qu'est-ce qu'il y a, Éphéméride? En France. Ah, le Figaro. 15 janvier 1826. En 1987, le 15 janvier, le froid intense et chute de neige en Bretagne un jour. En Europe, laisse un triste bilan. Près de 300 personnes ont perdu la vie. En 87, à cause du froid. 87, le 15 janvier. Alors, qu'est-ce qu'il y a en France? L'Italie. Bon, il n'y a pas de. Je sais pas, il y a le décès, oui, bon, le décès, c'est pas marrant. Le froid intense, 87, oui, maintenant il fait plus froid, il n'y a plus d'hiver maintenant. C'est vrai, il n'y a plus d'hiver. Hein. Mais non, c'est fou. Hein. Qu'est-ce que je vais vous montrer? Alors, ça, c'est. Les blagues tout public? Bon. Qu'est-ce que je vais vous montrer? Ah, Linux Mint, pour faire plaisir à Linux Mint, allez. Clément Lefebvre, qu'est-ce qui sort? Il n'y a pas d'autres nouvelles? Non, dernière 27 décembre, ça je les vous ai montré. Les loulous. Bon, et quoi donc? Quoi donc? Qu'est-ce qu'il y a là? Ah, actualité. Ah, voilà, actualité. Ah, voilà, actualité ici. Macron, on s'en fout. Attendez, on passe de peau, on s'en fout. Ukraine, c'est Ukraine, bon, ça c'est bon. Ségolène Royal. Ouais, il n'y a pas trop de. Je vois s'il n'y a pas sur Bordeaux. Et bon, bah écoutez, c'est toujours politique, voilà. Ah!
Ah bon, attends, Windows, Microsoft va corriger une faille de sécurité extrêmement critique. Merde alors. Ah mais merde alors, c'est laquelle? Alors ça. Famille de sécurité, Windows. Cette faille très sérieuse pourrait totalement compromettre le cryptage. Bon. Pourquoi le cryptage? Windows. Un composant graphique. Hein? À ne pas prendre à la légère. Ah bon, merde alors. Privé. Oui, bon, mais écoutez, qu'est-ce que l'hiver, hein? Les hackers pourraient créer des logiciels malveillants. Vous voyez? Même dans Windows. Oui, mais ça, ils l'ont fait déjà. Ils peuvent recommencer. Session web chiffrée dans les Microsoft Edge. Ou, ah, vous voyez? Sur Edge et Internet Explorer, bon, lui, il va l'espérer bientôt. Les hackers vont essayer de les emmerder. Tiens. D'accord. Oui, mais moi, j'ai jamais été hacké. Moi, hacké. J'ai jamais été eu de problème avec ça, moi. Bon, bah, écoutez, peut-être que je pense que les hackers, ils attaquent plutôt les gros, quoi. Ils vont pas attaquer les petits, quoi. Je pense pas, quoi. Non. Non, ils ont aucun intérêt à gagner d'attaquer les petits comme nous, quoi. Quoi faire? Chez Grenigny en Gironde, que faire quand vous croisez un véhicule en contresens? Qu'est-ce qu'il y a eu à Gradignan, c'est pas loin de mon domicile, ça. On est à côté. Oui, bon, ben. Les mecs, si vous voulez le contresens, c'est qu'ils sont blindés, mais qu'ils sont pleins ou quoi, quoi. Bon, mais c'est tout, hein, l'autre là. Carlos Ghosn, hein. Lui, c'est vraiment un riche, un très riche. Il s'est échappé pour pas être condamné avec son pognon, mais il se démerde. C'est pas mon problème, moi, les riches, moi. J'aime pas beaucoup. Bon, mais écoutez, c'est comme ça. Je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Bon, je vais vous laisser, les petits, loulous, hein. Tapis pour la démonstration de voyageurs, hein, avec ce bordel de distro-test. Hein. Oui, il faut bien que je boucle un petit peu ma petite vidéo. Donc, mais c'est pas grave, hein. Voilà. Vous voulez quoi, une blague? Oh, j'ai pas envie de faire des blagues aujourd'hui, j'ai pas envie de faire des blagues. Oui, bon, demain, peut-être pas pour demain. Si je reviens sur vous, il n'y a pas de problème. Là, hop, photo. Voilà, on va se mettre là. Mon logo. Ah, j'ai vu que mon ami Marc, il s'est mis le logo comme moi, enfin en rouge. Il m'a compris, il a compris. Je trouve ça joli. Enfin, il m'a compris, il fait ce qu'il veut. Hein. Mais c'est vrai que ce logo-là, Alan Smith, je le trouve très joli. Grâce à Blabla. Hein. Je l'ai chopé chez Blabla, c'est vrai ça. Enfin, il a présenté sur son blog, et c'est vrai que je trouve ça joli. Il est simple. Bon, mais sûr, ceux qui aiment le doc, tout est en bas, et ça vous fait un peu plus. Mais moi, je préfère avoir mes logiciels que j'adore ici à côté. Voilà. Voilà. Bon, mais H-Top. Ah ouais, H-Top, à toi, t'es vraiment. Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai pas regardé. Ah oui, parce que là, ça, j'ai ouvert des choses, c'est vrai que ça m'a dit. Hier matin j'avais moins, mais c'est normal. Mais là il a monté 1,5 hein, giga, mais c'est normal quoi. Il pompe le bordel. J'ai monté Chromium, j'ai ouvert Chromium. Mon navigateur préféré, Chromium ou Google Chrome sur HP ou à côté. Voilà. Bon, mais c'est bon, hein. On a fait le tour. Alors, Blashbit, je vais tout à l'heure hein, pour vous embêter. Ah, je vous dis bonne journée. Voilà, adieu voyageurs, adieu Windows 7. Allez mes loulous, je vous dis bonne journée, je vous dis au revoir. Et je vous dis à bientôt peut-être, si vous ne voyez pas tous les jours, c'est que j'ai des choses à faire. Hein. Bon. J'ai des réunions avec mes retraités, tout ça, avec mes gens, d'autres personnes, hein, on a une vie privée, quoi. Allez, bonne journée, bon mercredi, ciao!